cet animal a un sang-froid. Terrible et pourtant familier, pourquoi nous remet-il en mémoire à la fois nos paniques dans l'enfance quand nous étions assis dans l'herbe et le mutisme des vieillards qui en ont trop vu. Et pourquoi, dans les légendes depuis les débuts du monde, il y a toujours un serpent ? Dans son regard, le lémurien nous ressemble. Il est étonné par le jour. Mais l'homme, au sortir de la nuit des âges, voilà seulement 40 000 ans, s'est déployé dans l'espace et le temps. Tenté par l'aventure, l'homme a cherché par tous les chemins le secret des origines. Et d'abord, en apprivoisant le feu. Puis, par les armes du langage, par lesquelles on peut s'approprier toutes choses en les appelant par leur nom. Ainsi, les bisons sauvages furent nommés. Fixés par le dessin sur le mur des cavernes, ils préfigurent le bœuf domestique. Nous avons en nous-mêmes le désir d'avoir des ailes. Mais la pesanteur, de plus en plus, nous tient au sol. En nous-mêmes, nous sommes restés fauves aussi. Plus lourdes encore, et lentes, et plus obscures, notre inconscience primitive demeure. Buffon a dit : l'homme serait encore plus incompréhensible à lui-même si les animaux n'existaient pas. Mais dans le même temps où nous commençons à mieux les connaître, voilà que nous dénaturons la nature, mettant en péril notre survie ensemble sur cette terre où nous prétendons au bonheur.